Paris te réussit, on peut le dire quand même. Ouais, Paris me réussit, très content de ce match avec un scénario qui était très compliqué pour moi, mais voilà, j'ai réussi à inverser la tendance et je suis très content d'être au deuxième tour. Quand tu dis scénario très compliqué, il y a tous les scénarios depuis le début sont assez compliqués, tu sauves deux balles de match au premier tour des qualifs, là une nouvelle fois tu es un set, un break derrière, d'où te viennent justement ces ressources? Je sais pas trop, il y a sûrement le public derrière tout ça qui m'aide énormément, qui m'encourage et c'est quelque chose que j'adore jouer devant du public, ça fait du bien de les retrouver. Il y a vraiment une superbe ambiance, que ce soit pour Arthur ou pour moi, donc je suis très content. Mais ouais, je pense que c'est le public aussi qui m'aide à jouer comme ça. Justement, quand tu parles du public, ça doit faire un effet particulier quand il crie Hugo à la fin. Est-ce que ça te transcende, ça fait du bien, même pour nous, en tant que spectateurs, de revoir justement cette ambiance au bord du court? Ouais, carrément. Je joue aussi au tennis pour ce genre d'ambiance. J'adore quand il y a beaucoup de bruit. Et c'était le cas aujourd'hui, que ce soit de mon côté ou de celui d'Arthur. Je trouve que c'était vraiment un super moment sur le terrain. Je me suis régalé. Voilà, il faut que je me repose pour le prochain. Parce qu'il y aura un gros match, mais on va d'abord savourer un peu.